told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Tu signes. T'as des trucs à me faire signer? Oui, voilà. C'est quoi tes devoirs? Bah, il y a seulement faire signer. Ah bon? T'avais besoin de tout ton sac au silo pour juste faire signer un truc? Bah, les médicaments, on est obligé de les laisser dans le sac. Oui, mais quand même, là, il est plus lourd qu'hier, quand même. C'est bizarre. Parce que là, demain, tu vas avoir mal au dos, hein? Toute la semaine. Alors, très bien. TB- c'est ça? Non. Ah oui, TB- je crois. Ou AB. AB-. Ouais. Je sais pas. Bon, vu le peu de faute. Ça devrait être un TB bien. Ouais. Enfin, un TB-. TB-, ouais. Il manque le numéro 36. Non, 3B. C'est le 3B. Ah oui, 3B. Donc c'est... Oui, c'est le 3B. Ensuite... Ça, c'est les dictères copiés, x4. Ça, c'est AB, TB. Ouais, mais il n'a pas mis une note, forcément. Donc là, c'est AB. Ah, c'est bien. Ah oui, ouf. Conjugaison. Ouf, faut revoir les conjugaisons. Là, c'est très bien, ça. Ok. Vu, assez bien vu, bien. Ne saute pas autant de lignes entre le titre et la consigne. Ah bah oui. Je te l'ai déjà dit ça. Tu sautes trop de lignes. Et là, très bien moins. Et encore une fois, pourquoi tu sautes autant de lignes? Bah, faut que j'avais marqué ça, j'allais pas écrire là. Parce que du coup, on aurait lu la phrase et après on aurait lu ça. Parce que ça, il faut que tu l'écrives plus haut. Il faut que tu l'écrives là. Hein? Tu l'écris là et puis tu peux gagner 3 lignes. Hein? Hein? Faut faire attention. Hein. Ok, il y a quand même quelques fautes. Hein. Mais j'ai eu 13,5 à la dictée bilan. Ah, 13, attends, elle est où la note? Dictée bilan, ah là, oui. 13,5 sur 20. Sur 20, oui, oui. C'est quand même bien, j'ai plus de la moyenne. Oui, c'est sûr, mais t'aurais pu avoir plus encore. Oui. Surtout qu'en fait, ils nous donnent la dictée, enfin, les mots de la dictée ici. En fait, pendant les dictées qui ne sont pas les dictées bilan, les dictées flash, on a le droit de regarder. Et tu dois les apprendre quand, ces mots-là? Bah, tu les apprends en même temps que tu fais la dictée. Oui, oui. Tu les apprends pas avant? Non, en fait, c'est juste tu les regardes. Okay. Et du coup, normalement, avec les dictées bilan, tu as assez regardé ça. Et du coup, ça te permet de... Ok. Coup, bon, après, les mots, ils sont pas, hein, c'est pas trop compliqués, normalement. Oui. Parce que là, t'as fait quoi comme faute? T'as oublié un S à pomme. Oui, bah... Installe, t'as attaché, t'as oublié de séparer. Décor, t'as fait une faute à la fin du mot. Dessiner, t'as mis un accent sur le E oui, de dessiner. Parfait. En fait, je le mets tout le temps, mais et seulement parfois, genre je me dis tout le temps de l'effacer, mais je dis juste je finis la phrase et je l'efface, et le temps que je finisse la phrase, oublié. Ensuite, avoir, t'as mis un E à voir. Cheveux. Cheveux, c'était chevaux. Oui. Donc, il n'y a pas de E. Chevaux.
Et rhino, ah oui, rhinocéros, ah oui. Il y a un problème avec le H qui n'est pas au bon endroit. Et donc, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bah oui, c'est ça. Il compte un point par faute. Ah, c'est dommage. Sachant que là, en fait, l'accent, je pense qu'il t'a compté que 0,5. Oui. Donc, ça te fait 6,5. À chaque fois qu'il y a une petite faute, il te compte un point. Hein. Donc, ça peut aller vite. Hein. Oui. Surtout que là, t'as fait... là, t'aurais pu la corriger, le S de homme. Hein. Installé. Bon. Décor, celui-là aussi, bêtement, voir si tu devrais connaître. Les chevaux, tu aurais dû faire attention. Donc, au pire, tu aurais fait une, deux, allez, peut-être trois fautes. Donc, tu aurais pu avoir 17. En fait, Si les tu avais fait dictées à attention. recopier, tu sais ce qu'il faut. En fait, c'est t'as la dictée à recopier que quand que si tu fais que si tu fais la correction et que tu la mot une correction parce qu'en fait ils disent des réponses dans la correction. Si tu fais pas bien la correction, même s'il y a les réponses au tableau, bah en fait ça te fait recopier. Là bah Ah j'avais oui, fait toi, un fois rhinocéros, quatre. t'avais déjà fait une faute à un rhinocéros, quoi. C'est que tu l'as pas bien revu, le mot rhinocéros. T'avais déjà fait une faute avant. Et c'est toujours ton âge. Un coup avant, un coup après, c'est pas trop. Dessiner, bah oui, toujours encore la même faute aussi. Oui. Ah, Et dans l'autre, dommage. j'avais pensé à effacer, je crois. Ah oui? Dessiner, Ah j'avais oui, effacé. tu l'avais effacé, ouais. Bon. Et puis là, tu l'as remis. Dommage. Bon. Dans l'ensemble. Surtout que là, normalement, si je regarde là, une dictée, deuxième dictée. Ouais. Du coup, j'ai dit, je peux cacher avec ma trousse. Oui, Mais parce pas que c'était copier. juste. Parce que Voilà. là, j'avais juste à faire ça. Bon, après, c'est pas tout à fait les mêmes mots, mais bon. Oui. Et pour être sûr de pas copier. Bon, ça va. Peut mieux faire, hein. Pour l'instant, Oui. hein. Et juste peut mieux faire. Peut mieux faire. Tiens, ton stylo. Du coup, c'est un assez bien. C'est un assez bien, ouais. Mais je sais que tu es capable de mieux, hein. D'ailleurs, en fait, je vais te montrer la poésie que j'avais fait. Elle va te surprendre. Ah bon? En bien ou en mal? Ou bien. Ah bon? Alors, je prends juste la poésie. Nous sommes lundi, il est 18h, bientôt 18h20. Je viens de finir de filmer la Dégusta Box. J'ai pas encore fait ma séance de sport de 45 minutes. On est bien là. C'est chaud, c'est chaud, chaud, chaud. Alors, regarde, TB, il m'a dit de marquer TB souligné de trait, ça veut dire excellent. Bah oui, t'es bien, ouais. Et c'est là. Titre. Pour le théâtre des ombres. Prenez les ombres. Prenez des formes. Faites-les jouer. Prenez des hommes. Puis faites-les bouger. Faites un spectacle. Versez du noir. Saupoudrez de miracles, poivrez et mettez l'œuvre du soir. Où est le lac? À quel endroit voulez-vous vous asseoir? Il y a quand même des rimes. C'est toi qui l'as faite? Oui? Ok. Pour le Donne un théâtre titre à ton d'ombre. poème et complète-le. Pour le Donc, théâtre pour, d'ombre. prenez, t'as juste des petits mots et à toi de finir et pour que ça Oui. soit après, hein, que ça mette des Donc j'ai rimes. fait prenez les ombres, prenez des Prenez. formes. Faites-les jouer. Prenez des Des hommes. hommes Puis, faites-les bouger. bouger C'est un pour que G, ça hein. rime comme ça. C'est pas un J, hein. C'est pas bougie. C'est bouger. Parce que du coup là, ça Faites. forme et homme ça rime, jouer puis bouger ça. Ouais, il faut toujours sauter le spectacle, miracle. Du noir, Verser du noir avec l'œuvre du l'œuvre soir. soir. Où est le lac Lac. pour que ça rime avec miracle? Ouais, et spectacle. Spectacle, miracle, lac. Et après, t'as noir, Où est le soir et lac? soir. Et du coup, ça nous dit que du coup, ça se passe dans la nuit À près quel d'un endroit lac. voulez-vous vous asseoir? Ok. Mais du coup, on sait que c'est près d'un lac le spectacle où il se passe. Très bien. Oui, effectivement, oui, très bien. Et là, ça, c'était ça.
Regarde, c'est les mêmes choses Oui, avec une autre idée. Sauf qu'à la base, nous aussi, on devait faire une recette de cuisine, mais le maître, il voulait pas. Il voulait plutôt qu'on fasse avec un art. C'est bien. Comme avec l'art de dessiner, de peindre. Et moi, j'ai choisi l'art du théâtre des ombres. Je suis le seul à avoir choisi ce thème. Oh, bah écoute. Parce qu'il n'y a personne qui y a pensé. Il y en a, ils ont choisi l'art de la peinture, de dessiner. Et il y a aussi l'art de plier, maintenant que j'y pense. Bah oui, l'origami. Je me reprends. Je suis sur la route et je viens d'écraser quelque chose. Ah, c'était énorme. Enfin, c'était énorme. Non, c'est passé sous mes roues. Ah, qu'est-ce que j'ai horreur de ça. Je sais pas vous. Oh, puis là. Mais oh, ça devait être un renard, je crois. Enfin, un renard. Attention, travaux sur la route, sur votre trajet. Oh, vraiment, mais oui, mais. Oh, qu'un peu. Il était grand. Il était comme ça. Oh, j'en pleure presque. Oh, perc. Et puis alors sur la roue, ça fait crash crash. Oh, je suis désolée. Vous n'allez pas comprendre. Mais fallait que je partage. Ah, je suis urk. Ah ouais, ça devait être un petit renard, je pense. Oh, ça fait de la peine aussi. Oh là là. Je sais pas ce que. Ouais, c'était la taille d'un petit renard. Sur. C'était pas autre chose, c'était trop gros pour que ça soit autre chose. Oh, et ça a fait. Je vais regarder, j'espère que j'ai pas de traces sur mes pneus ou sur mon pare-choc. Oh là là. Bon, moi je vais bientôt arriver au travail, mais. Berk. Oh, j'aime pas rouler sur les animaux comme ça. Bah, c'était ma vidéo du jour. Bon, je vous reprendrai pour un moment un peu plus gai. Hein? Bon, je reprends dans le bureau parce que à côté avec Evan, sinon il n'arrive pas à travailler correctement. Oui, je disais donc il est 7h passé, on vient de rentrer. J'étais chercher centre aéré, je devais prendre rendez-vous, j'ai pas réussi à prendre rendez-vous, donc il faut que j'essaye d'appeler là demain matin pour voir si quand est-ce que je peux prendre rendez-vous. On a été chez l'opticien pour régler ses lunettes parce qu'elles étaient tordues. Hein. On remercie la personne qui les a tordues. J'ai été faire le. Je devais aller au Grand Frais, mais on n'a plus le temps, hein, parce qu'il est 7h, donc il fermait. Et j'ai été faire le plein de la voiture, sauf que bah, du coup, on a mis 20 minutes déjà de queue pour atteindre la station. Donc voilà. Il est 7h, il faut qu'il finisse ses devoirs, hein, devoirs qu'il n'avait pas à faire. Hier, hein, il m'a dit qu'il n'avait pas à faire et puis bah, j'ai découvert que si, il en avait à faire, donc voilà. Donc du coup, bah, il se tape encore des devoirs et puis il a encore la douche et puis à manger, je crois que j'ai encore des restes là, il faut que je regarde. J'espère, parce que bah, le temps que je crois que là j'ai le temps de faire à manger, parce que le temps qu'il finisse ses devoirs, que je l'interroge, qu'il prenne sa douche, etc., finalement j'ai au moins une demi-heure encore devant moi. Qui prépare son sac pour demain, etc., qui vide son sac d'aujourd'hui. Bref, il n'est pas rendu aujourd'hui. Hein. Il n'est pas rendu. Mais cette année de CM2 se profile très compliqué, très compliqué. Il leur demande beaucoup de choses, même à la maison. Donc, il va falloir qu'ils s'organisent très rapidement. Voilà, c'est pour le préparer pour le 6e, mais disons que d'entrée de jeu, là, déjà, ça va être intense. Parce que là, des devoirs, il en a beaucoup cette année. Autant l'année dernière, on surfait sur le truc parce qu'il n'en avait pas du tout. Autant là, il a énormément de devoirs tous les jours, quoi. Donc, il va falloir s'organiser. Bref, c'est le temps de se mettre en route, etc. Puis que lui aussi, hein, forcément, il n'a pas l'habitude. Mais ça va le faire, mais voilà, c'est compliqué. Bref. Donc ouais, hier je vous ai pas repris, pareil, je suis rentrée, j'ai récupéré Evan, il y avait la réunion parents-maîtres, etc., donc je suis rentrée, il était 7h passées,
C'est bien qu'il y avait du. Que je fais du batch cooking, hein, parce que du coup, moi, bah, j'avais juste à réchauffer. Je suis rentrée, Evan avait déjà pris sa douche. Donc, ça, c'est alléluia. C'était en toute autonomie. Il avait pris sa douche, etc. Donc, il faisait ses devoirs. Donc, j'ai juste eu à réchauffer. Hop, je lui ai donné. Et mon entendant, bah, j'ai commencé ma séance de sport à. Il était 19h15 jusqu'à 20h. La motivation, je ne vous raconte pas, mais bon. Mais bon, c'était fait. Donc voilà. Demain, bah demain, il faut que je vois comment on s'organise également demain. Et puis voilà. Et puis j'ai une livraison qui est prévue vendredi en colis fraîche également pour ma régalouse. Normalement, il devait la livrer demain, mais aujourd'hui, mercredi. Aujourd'hui, il devait la livrer aujourd'hui, mercredi. Et je l'ai décalé à vendredi parce que je sais que, au moins je sais que vendredi, voilà, c'est, je peux me la faire livrer. Donc, et puis, puis voilà, je suis contente, j'ai hâte de la recevoir. Voilà. Et puis, c'est tout. Ouais, pour l'instant c'est tout. Faut que j'ai vu, il y a énormément de participation à mon concours des 4000. Je m'attendais pas autant. Voilà, vous ne m'attendez pas à autant de participation. Bon, je pense que le cadeau doit plaire, hein, clairement. Mais je ne m'attendais pas à autant. Donc, bah ouais, bon, après, voilà, il reste encore une bonne semaine et demie pour participer. Une semaine, deux semaines, pour participer. Donc, voilà, je laisse le temps de toute façon. Mais il y a beaucoup de participation. Donc, c'est cool. Voilà. Je vais vous laisser là, et puis, parce que là, du coup, je vais regarder pour faire à manger. Et j'espère vous reprendre demain dans une journée plus calme. Il faut que j'aille aussi à grands frais. J'ai aussi un drive à faire, c'est l'enfer. Ça fait deux semaines que je vais en faire un. Parce que j'ai quasiment plus rien. Pareil, on n'a plus de fruits depuis plusieurs jours déjà. Plus de bananes, plus de pommes, plus de raisins, plus rien du tout. En légumes, il me reste des carottes. Je crois des tomates cerises, je ne suis même pas sûre. Parce que du coup, je voudrais bien faire des tomates cerises ce soir. Avec du poulet, peut-être. J'avais pensé à faire du poulet avec des tomates cerises. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Voilà. Sinon, bah, ça sera je sais pas quoi. Parce qu'au congélateur, il n'y a plus rien non plus. Il reste, je crois, du poisson. C'est tout. Et des steaks hachés. Ouais, c'est tout. Donc, c'est un peu la misère. Et donc, il faut que je fasse mes courses. J'ai l'impression de courir. Je suis fatiguée, Bref, ouais, je vous laisse et puis je regarde ce qu'il y a à manger et puis je vous reprends plus tard. Bon, retour de course. Donc, gros retour de course, Leclerc et après Grand Frais. Donc, on va commencer par le surgelé. Donc, j'ai pris du saumon comme ça. J'adore le fond du poireau. Celle-ci, c'est super, super bon avec du riz ou des pâtes. Mmh, un délice. Et j'ai repris ceci. J'essaie de vous montrer correctement. Voilà, les petites pommes de terre et puis ça, voilà. J'ai beaucoup de surgelé parce que du coup, il n'y a plus rien dans le surgelé. On n'a plus rien du tout dans le partie surgelé. Parce que suite aux événements qu'il y a eu, etc., cet été, du coup, tout le frigo a été vidé complètement. Donc, petit à petit, il faut racheter pour avoir des petits trucs de réassort, etc. En cas de. Voilà. J'ai pris ceci. Ta poésie, non? Bah, j'ai plus. Ils ont rajouté les devoirs. Ah. Alors. Oula, si loin que ça, octobre, déjà? Ah non. Alors. Déjà, je ne change pas les marqués pour samedi. Donc, jeudi, c'était bon. Oui. Saisir, oui. Recopier, illustrer et apprendre le poème. Donc, ça, j'aimerais bien que tu commences. Hein, parce que tu ne vas pas faire ça samedi, dimanche. Mesure, CPLM. Ok, maths, exercice, petite fiche. Histoire, brouillon, cahier de brouillon. Histoire, leçon. Okay. Bah, écoute, tu peux déjà faire la poésie, je pense. Hein. Lexique, ouais, mardi, tu as tout ça aussi encore. Oui. Et jeudi, tu as encore ça. Oui. Okay. Par contre, pour demain, il n'y a rien. Et ils n'ont pas donné parce qu'ils ont dit qu'il y avait trop. Oui, c'est pour ça que du coup, ça serait bien que tu t'avances pour ce week-end parce que ce week-end, tu as tout ça à faire. Donc ça fait beaucoup. Hein. Oui. Donc avance-toi. Recopie peut-être la poésie, tu la recopies. Oui, la poésie, il y a un E.
tu recopies la poésie et tu commences à la prendre. Et l'illustration, tu le feras ce week-end, donc demain soir, si tu veux, tranquille. D'accord. J'ai pris également ceci, Yamina. J'avais pris ceci parce que c'est il y avait une promo. Donc, j'ai acheté le troisième offert. Donc voilà, j'en ai profité. On aime bien ça. Donc je vais faire ça un soir. Voilà, ça va être super sympa. Donc on aime beaucoup. Moi, j'attends pas forcément les fêtes pour en acheter. Donc voilà, ça j'ai prévu ça. Donc j'en ai trois paquets. Ça c'est cool. Et j'ai racheté de la glace parce que j'ai des mangeurs de glace à l'année. Donc voilà, j'ai repris au chocolat, ceux-ci, ils les adorent ceux-là. J'ai pris des sundae caramel qui sont délicieux aussi, donc je vous les conseille. Et dernier, j'ai pris ça, Evan, il adore. J'en ai acheté déjà une fois, là c'est bien parce qu'il est en promo, il y avait moins 30% au Leclerc dessus, donc j'en ai profité parce que c'est cher. Il y en a 4, c'est le même prix que les extrêmes par 6, donc c'est un peu cher. Et en promo, il y avait aussi ça, je connais pas du tout, mais ça a l'air trop trop bon. Donc ça va être le petit plaisir, voilà, à manger un tout petit peu de temps en temps. Ça a l'air trop trop bon ça, je connais, mais j'ai jamais goûté, donc j'espère que ça va être bon. Voilà, je range le surgelé et je vous retrouve après pour la suite. Des ficello, donc ça c'est pour Evan les mercredis au centre, voilà, il aime bien manger ça. J'ai pris un petit bout de cervelas comme ça avec Evan, on aime bien ça, donc j'en achète de temps en temps parce que c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est bon, voilà, donc ça on en achète de temps en temps pour nous deux. J'ai acheté de la pâte, des plaques de des pâtes à lasagne, voilà, parce que je vais faire une lasagne, des lasagnes avec, donc j'ai acheté de la viande hachée avec, donc je vais faire ça dimanche. J'ai acheté aussi ceci, voilà, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté des tagliatelles fraîches et plus sucrées en frais, les pâtes sont super bonnes. Du gruyère, le trois fromages que je mettrai aussi dans les lasagnes parce que ça c'est bon. Puis le classique comme ça. C'est vraiment celui-là, il est vraiment très très bon. Du baguette, de la crème semi-épaisse, voilà, pour me faire peut-être des petits gâteaux, des petits flans, etc. au Cake Factory ou des gâteaux, je sais pas encore. Mais voilà, ça c'est toujours pratique. Des yaourts, voilà, j'ai pris que ça. Je vous avoue que je savais plus s'il fallait que j'en prenne un ou deux packs. Je ne sais plus ce qu'il y a reste. J'ai pris un petit rôti, voilà, pour ce week-end également. Je ne sais pas trop exactement quand je vais faire ça. Donc voilà, ça sera, ça fait partie de mon batch cooking. Je vais faire ce week-end un rôti avec des lasagnes. Donc du coup, ça me fera un plat, un gros plat familial de lasagnes qui me fera pour, il y en restera forcément pour la semaine. Et le rôti également, il en restera forcément pour la semaine pour 2-3 repas. Donc normalement, avec les lasagnes et le plat de rôti que je vais faire ce week-end, j'en ai au moins jusqu'à pour au moins mercredi. Donc voilà, je suis tranquille comme ça pour les repas. Accompagnement, le rôti, je vais faire deux accompagnements séparés. Comme ça, on va varier un petit peu les plaisirs, quoi. J'ai acheté des petites galettes de pommes de terre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté. C'est cher pour ce que c'est, mais flemme d'en faire. Voilà. J'ai repris les petits carrés de fromage, comme ça, carrés gourmands à la tomate au fromage. Je vous en ai déjà parlé, vous avez déjà vu dans mes retours. Bon, c'est très très bon. Et également des petits croque-monsieur. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté. Donc voilà, des petits croque-monsieur. Des croque-monsieur. Cordon bleu, je dis n'importe quoi. Des cordons bleus, voilà, bio, ceux-là. Ils sont très bons. Vous avez été plusieurs à me dire que effectivement vous les trouviez bons. Donc voilà. Voilà pour le frais. J'ai pas acheté grand chose en frais. Et puis après, il reste encore le reste des placards que je vous montre après. Alors, j'ai pris un petit sachet comme ça. Ça, c'est hyper pratique des fois quand voilà, un soir ou un midi, donc tout seul à la maison, mais également pour le papa d'Evan également. Voilà, des fois c'est pratique. Bon, ça, j'ai acheté également celui-ci. Voilà. Donc, une fois comme ça, une fois par semaine, du coup, il a son petit sachet rapide s'il n'y a pas de reste. Au moins, comme ça, il peut manger quelque chose. J'ai pris rien de ordinaire. Là, il y avait un lot de petits pains de noix, ça c'est sympa, complète,
J'ai encore une que c'est complète, mais du coup, pourquoi pas, voilà, pour se faire des petits sandwichs. Des fois, on aime bien le vendredi soir. Généralement, on fait soit croque-monsieur, ben là, on se fera peut-être des petits sandwichs. J'ai repris du thé pour le soir. J'adore celui-ci. Sinon, il y a une autre marque, une grande marque, mais qui coûte plus cher, qui a exactement le même goût. Franchement, la marque Repère, celui-là, il est divin. Voilà. J'ai pris des petites barres de céréales comme ça pour Evan, parce qu'il adore les Frosties. Alors je me suis dit qu'en petite barre, ça pouvait lui plaire. Je me suis pris, du coup, j'ai craqué, vous savez, on a eu une barre comme ça dans la Degustabox, et du coup, j'ai eu envie d'en racheter. Donc voilà, j'en ai racheté. J'ai pas encore mangé celle de la Degustabox encore, mais ça ne saurait tarder, et du coup, j'en ai racheté, j'ai craqué. J'ai acheté du café pour la Dolce Gusto, voilà. Et des petits biscuits comme cela, voilà, pour Evan, pour lui faire plaisir. Et j'ai pris également de la Santé des Grenouilles, il y avait une promo. J'ai pris là au citron, je sais plus. Saveur citron, ouais, celle-ci j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de nous faire plaisir. Donc voilà, le week-end, peut-être une petite canette comme ça. Et puis après, on va passer aux fruits. On va passer à grand frais. Et à grand frais, donc j'ai pris, il y avait de quoi faire, une choucroute. Voilà, je suis trop contente. J'adore la choucroute. Je suis la seule à la maison à manger de la choucroute. Donc du coup, je me suis pris un petit paquet comme ça. Des knacks et des saucisses. Mais bon, là, tout ça, je vais en congeler. Mais ça, par contre, ça, Evan, il adore aussi. Donc j'en ai pris également pour lui. Mais je vais faire une choucroute. J'ai pris des pommes de terre également. Donc j'aime bien me faire une choucroute et puis là ça va me faire 4 repas à peu près, 4 repas, et me la faire et puis après congeler la choucroute, comme ça me fait plusieurs plats pour l'hiver. Alors je pense que j'en ferai deux fois, parce que là j'ai pris quand même 500 grammes, donc voilà, j'en ai pour 3-4 repas, mais j'aime bien ça, et donc du coup bah, j'en fais une belle quantité, et puis après je congèle, et puis comme ça je peux me ressortir un petit plat de choucroute comme ça, que bien réchauffé, bien cuit, etc. Donc je pense que je vais me taper la cuisson de la choucroute ce week-end, voilà, donc je suis trop contente. J'ai pris aussi du raisin de muscat, du ventoux, il est délicieux, c'était un... Donc au Leclerc, celui-ci, il est vraiment trop bon. Et donc du coup, à grand frais, j'ai pris des endives, du raisin blanc également, comme ça nous fera deux types de raisin. J'ai pris des oignons, parce que du coup, j'ai plus du tout d'oignons, même au congélateur, tout ça. Donc là, ce week-end, j'ai plus qu'à tout émincer, etc. Et à faire des paquets également d'oignons et à me préparer des sachets d'oignons dans le congélateur. Comme ça, quand j'en ai besoin, hop, je prends juste la dose qu'il faut, etc. Donc, c'est top aussi, ça. Mes yaourts, mes fameux yaourts, voilà, que j'adore. J'ai pris cela à la framboise. J'ai pris sur au lit... Voilà, de mangue passion. Et j'ai pris un nature coco, vous savez, pour les petits déj. Donc, j'ai juste pris un petit paquet de deux. Ouais, j'ai pris des bananes. Voilà, les bananes. Un paquet d'amandes, parce qu'on n'en a plus non plus. Voilà, donc ça, c'est le combo idéal pour faire mon petit déjeuner. J'ai trouvé ça. Alors, c'est extrêmement cher. C'est des petits carrés des petits cubes de coco. J'ai vu une youtubeuse en parler, elle a acheté ça sur internet. J'ai regardé les prix sur Amazon, c'était extrêmement cher. Et là, je vois, c'est pareil, je crois qu'il y a 200 grammes, même pas, 150 grammes, 2,12 €. C'est des petits cubes de coco. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je vais goûter là. En tout cas, ça sent super bon. C'est un peu dur. On dirait la noix coco. Ah, c'est très bon. C'est sucré, mais c'est très très bon. Donc ça, dans un yaourt ou dans une préparation, dans des petits gâteaux, etc., ça doit être succulent. Et ça se garde super longtemps. Donc
Donc c'est parfait. Non, c'est trop trop bon ça. Trop trop bon. Et puis. J'ai pris des pommes et j'ai pris également une petite boisson pomme avocat coco. Je prends de temps en temps. Voilà, donc j'ai pris ça. Voilà pour le retour des courses. Nous sommes samedi, il va être 11h, on va partir, voilà. Je vais déposer Van au théâtre et moi je vais aller à la salle de sport, ma dernière séance de sport à la salle. Je suis claquée, je pense que je fais trop de sport, je suis morte. En plus la semaine, je vous ai pas beaucoup filmé, mais semaine de dingue. Mardi, il y avait école, il y avait la réunion à l'école, donc je suis rentrée, il était 7h passé. C'est bien que j'avais des plats préparés, etc. J'ai pu tout mettre au micro-ondes. Evan, il avait déjà fait ses devoirs, pris sa douche, tout ça, donc c'était nickel. Mercredi, on est rentré, il était 7h parce que après le centre aéré, j'ai emmené Evan régler ses lunettes parce qu'elles étaient un peu tordues, etc. Donc ça, je crois que je vous l'ai dit. Donc du coup, on était réglé ses lunettes et puis après, on voulait faire le plein de la voiture. Sauf que les stations, toutes les stations, même j'en ai pris une qui était un peu plus chère. J'étais au Leclerc, elle est plus chère que les Total. Et même là, 25 minutes de queue, 25 minutes. Sauf que moi, j'avais besoin de faire le plein. C'était pas juste de un acompte ou je sais pas quoi. C'était le plein que je devais faire. Donc 25 minutes. Donc on est rentré, c'était 7h. Et ben, on avait encore des devoirs à faire. On adore. Jeudi, je vous ai repris parce que j'ai fait un drive plus le grand frais. J'ai fait ma séance de sport, il était 20h. J'étais morte. Hier, ben, je suis rentrée hier, ça va. J'ai rien fait d'autre, je suis quittée le boulot, je suis rentrée. Et j'avais reçu ma régalousse, donc j'ai tourné ma régalousse, voilà. Là, je viens de faire le montage ce matin. Je viens de finir là un TikTok pour régalousse, parce que je fais la régalousse en format TikTok. Vous savez, mini vidéo, là, comme ils font. Donc, j'ai fait ça, je la mettrai sur Instagram et sur TikTok, en Reels sur Instagram, parce que finalement, j'ai plus de Instagram maintenant, on met plus en avant les vidéos, les mini vidéos que les Reels. Que les photos, donc les photos, je dois avoir 3 likes et 20 vues, et puis mes Reels, j'ai 200 vues, quoi. Donc voilà, donc je vais mettre en format Reels pour un maximum de box. Je vais faire comme ça, ça demande un peu plus de boulot, mais bon, j'aime bien encore ce petit format, et puis ça va, ça met pas longtemps à faire le montage, voilà, je mets pas longtemps à faire le montage. Et puis quoi d'autre, et puis là je crois que j'ai reçu ma prescription lab, donc je vais aller voir d'ailleurs la boîte aux lettres si je ne l'ai pas reçue là. D'ailleurs je vais regarder, je n'ai pas regardé mes mails ni rien aujourd'hui. Je reçois ma box le boudoir lundi, j'ai reçu le suivi,
et j'avais un colis showroom privé, j'avais acheté du café et il a été il a eu un problème de livraison, apparemment le colis s'est ouvert, ils ont dû rempacter le colis. Et donc du coup, je devais le recevoir hier, je le reçois seulement ce matin. Mais là, il faut que je parte. Donc je vais pouvoir réceptionner. Donc là, lundi. Lundi. Je reçois deux colis lundi en fait. Votre colis vous attend. Ah bah il a été livré en point relais. Dans un point relais. Ah, il me livrait pas à la maison, je sais plus. Je croyais qu'il me livrait à la maison. Ah, dans un point relais. Eh ben, j'irai lundi. J'irai lundi. J'irai pas le chercher là. Parce que, ben, de toute façon, il sera fermé. Quand on va quitter, ben, il sera fermé de toute façon. Donc j'irai pas cet après-midi rien. J'irai lundi. Et les deux autres, finalement, c'est lundi. Et j'avais donc la Dégustabox en cours de livraison. C'est marqué. Mais j'ai cru voir une petite camionnette s'arrêter devant la maison. Donc je vais voir, peut-être que je vais aller dans la boîte aux lettres. Donc je vais aller regarder avant de partir. Voilà. Bon, j'ai coiffé encore un tout petit peu mieux. Et puis voilà. Je suis allée. J'ai reçu un colis qu'il faut que je vous montre. J'aimerais bien. J'ai pas mal d'idées de cartes. De cartes de remerciement et tout ça à faire, j'en ai plus du tout. Donc pour mes ventes Vinted et tout ça, j'en ai plus. Et il faut que j'en refasse. Et du coup, je me suis acheté sur Vinted des petits trucs. Voilà, j'ai acheté plein de petites choses. Et spécial, alors hiver, Noël, etc. Mais même pour les cartes de Noël et tout ça, ça m'a donné plein d'idées. En fait, ça c'est des cartes. Ça, je trouve ça hyper sympa. Je peux faire avec Evan. C'est des découpes et vous avez des idées de cartes. Et avec les découpes, vous faites vos propres cartes en fait. Voilà la carte initiale. Puis là, vous avez tous vos petites pièces. Puis à vous de les coller, etc. De les positionner sur la carte. Et je trouve ça rigolo. Donc on peut même les mettre en relief ou quoi que ce soit. Et je trouve ça hyper sympa. Donc je pense que je vais faire ça. Donc ouais, j'avais envie de faire un petit peu de bricolage. Et il y en a des très très beaux. Bon, je pense que vous les avez déjà vus si vous connaissez un peu les scraps. J'essaierai de vous montrer ce que ça donne. Pareil pour les cartes de remerciement là, que je vais faire. Il faut que je fasse des feuilles de pochoir. Il faut que je fasse des pochoirs. Donc, je vais voir. Et puis, j'ai reçu un petit colis AliExpress. Et puis, il faudra que je vous montre. C'est sur du scrap aussi. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, il faut qu'on parte. Donc je vous reprends, c'est la course en fait, c'est la course. Et cet après-midi, Evan, il a un copain qui vient à la maison. vivement demain, et encore demain, il y a tout le ménage à faire. Là, j'ai pas mal de rangements, tout ça à faire. Je vais faire des lessives. Ah, j'avais une lessive à lancer, mais je ne vais pas la lancer, j'ai trop tard. Donc j'ai mes lessives à faire aussi dès que je rentre. Puis dès que je rentre, j'ai aussi à faire manger parce qu'on va rentrer, il sera 13h, presque 13h30. Et ça va être comme ça tous les samedis maintenant. Maintenant, on a un peu notre matinée, mais pour manger tout ça, c'est chaud. Bon, on verra bien, on s'organisera peut-être d'une façon différente. Bon, on verra bien. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure.
Bon, c'est des petits sachets de un oignon. Voilà, j'ai fait. Et c'est pratique. J'en ai en gardé à côté parce que je vais en avoir besoin pour cuisiner d'ici demain, tout ça. Donc j'en ai gardé. Et je me suis fait des petits sachets comme ça. Hop, dès que j'en ai besoin, et ben je pourrais le sortir. Et je sais que c'est l'équivalent d'un oignon. Voilà. Congèle. C'est vraiment pratique, hein, ces petits sachets. Voilà. Et je vais vous montrer ma commande AliExpress. Alors, j'ai pris une petite encre comme ça, de couleur un peu café, brune, voilà, je trouve ça sympa. Une autre, elle est grise, apparemment celle-là, voilà, elle est grise, ça se voit pas, mais elle est grise. Qu'est-ce que c'est de ça? Ah, c'est des petits bouts de papier. Bon, je ne sais pas ce que j'en ferai, je pense que je ne ferai pas grand-chose de ça, mais... C'était un petit cadeau. Et j'ai pris avec ça, avec des petits autocollants, donc un petit mou et des petits autocollants comme ça. Bon, c'est mignon. Ça, ça finira dans l'agenda. Et j'ai pris des classeurs d'embossage. Donc j'espère vous faire une vidéo très bientôt avec. Donc vous mettez votre papier à l'intérieur et en fait c'est en relief. Ah, je reviens. Alors, je disais, vous mettez votre papier à l'intérieur et en fait c'est granulé comme ça. Et en fait, vous mettez dans la machine à presse et en fait ça fait comme un gaufrage. Donc j'ai pris des plumes. Là, ça doit faire super joli, celui-là. Et celui-ci est avec une encre comme ça dessus, ça va faire un peu effet steampunk. J'adore. Voilà, un peu vieilli comme ça, je l'adore. Et j'ai pris du papier. Je voudrais voir, c'était pour mes cartes de remerciement. Voilà, pour refaire des cartes de remerciement. Ah, ça va, c'est épais quand même. C'est épais. Donc, voilà, c'est des petites feuilles de spécial un peu sur le thème de l'automne. Je vous ferai une vidéo sûrement sur les cartes de remerciement spéciales automne et Halloween. Et voilà, pour vous montrer un petit peu ce que je peux faire comme idée de carte. Voilà, et puis en utilisant ça également, je vous ferai une. Je pense pas en vlog, je vous le ferai dans une vidéo spéciale, je pense. Copain Hélène. Bon, activité de l'après-midi, trier. Plier et puis mettre de côté ce que je dois repasser, pas repasser, tout ça. J'en ai encore une en bas qui m'attend des bassines. Voilà, donc je suis en train de trier et puis voilà quoi. Hein, ma brassière de sport, ça va aller vite, ça n'y a pas besoin de repasser, mais ça par contre, le top, forcément, ça sera à repasser et je repasserai demain. Voilà, donc je vais m'installer là et je vais me regarder. Donc je disais, je vais m'installer là. Désolée, on fait des travaux encore. On est encore en train d'installer des trucs. Je vais regarder une petite vidéo sur YouTube en même temps. Voilà, en même temps que je vais ranger. Et puis voilà. Super l'après-midi. Bon, il est 4h30, je vais vous laisser là parce que je suis encore avec mon linge. Voilà, j'ai pas fini. Donc, je vais vous laisser là et merci d'avoir regardé cette vidéo, ce vlog. Et je vous dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, passez une bonne semaine.